Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, oui, la tête du réveil, pour un vlog, parce que aujourd'hui, nous sommes lundi 28 septembre et c'est une journée où je vais aller à la fameuse soirée Victoire de la Beauté. Et donc, je voulais vous emmener avec moi un petit peu toute la journée, vous balader avec moi. Donc, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai une tête un petit peu mieux et que j'aurai déjeuné. Hey, ma pépette, ça va ma chérie? Ma petite Kayla, ma petite chérie, ma petite chérie. Me revoilà un petit peu plus préparée. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai l'air un petit peu mieux, je pense, avec mon rouge à lèvres de chez Lush que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui est plutôt pas mal, mais à voir au cours de la journée. Donc, me voici. Alors, aujourd'hui, vous allez me suivre avec moi. Vous allez venir avec moi au restaurant à Paris, dans un petit restaurant gastronomique avec mon chéri, c'est le petit restaurant, pendant que ma maman garde ma poupette. Et ce soir, vous me retrouverez donc à Victoire de la Beauté. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi, réussir à faire un vlog un peu correct. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous plaît et surtout si vous en voulez d'autres. Que vous m'ayez beaucoup entendu, mais c'est pas grave. Le voici, le restaurant. Il s'appelle la Table de Bozzari à Paris. C'est un restaurant gastronomique plutôt cool, on verra. Je vous montrerai tout ça si je peux. Et tu veux bien que je te filme hein, ou pas? J'ai le droit de te filmer ou pas? Oui. C'est tellement joli. Du bon restaurant avec mon petit chéri qui est à côté de moi et vraiment ce restaurant était pas mal du tout, on a bien mangé je pense, hein mon chéri, tu confirmes? Je te filme pas, t'inquiète pas, il veut pas du tout être dans cette vidéo, il est chiant. Donc du coup on a vraiment très très bien mangé et là on va aller faire deux trois courses pour ma petite chérie et après on va aller se préparer tout ça. Bref, juste pour info, le rouge à lèvres que j'avais de chez Lush n'est plus du tout resté. Hein, il a dû durer. Il est très sympa à porter sur les lèvres, mais il part assez vite. Il file dans les. Il laisse des peaux mortes. Voilà, je cherche le mot. Du coup, bon, à revoir. C'est pas le top top, mais bon, il est pas mal au niveau de la couleur. À tout à l'heure. Petite course au millénaire. Vous voyez comme vous ne m'avez jamais vu démaquillée et après avoir enlevé une tresse africaine. Je sais pas si vous voyez la touffe que j'ai. C'est un truc de fou. Donc là, je vais aller me doucher. Oui, en plein après-midi. Il faut que je me lave cette tignasse. Et je vais me remaquiller vraiment pour être très 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 bien ce soir. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour être au top ce soir. Donc vous voyez, il y a du boulot avec ma tignasse. Hein. Hey! Attends.
Hop là. C'est maman qui fait. Ouais. C'est maman qui fait. Pourquoi elle fait maman? Allez, ce soir, ma chérie. Nous aussi en route pour aller au Victoire de la Beauté. Et je peux vous dire qu'on est hyper excités. Ah, mon chéri. Oui. Oui. Il est excité à sa façon, quoi. Bon, alors, juste pour vous dire qu'à Paris, c'est pas du tout le kiff. Ah, on met exactement 20 minutes pour faire à peine 5 km. Je crois que vous ne verrez ça nulle part ailleurs qu'à Paris. 20 minutes pour mettre 5 km. On n'habite pas loin des Folies Bergères, mais voilà, c'est Paris quoi. Donc en route, moi je vous avoue, je suis hyper excitée. On va rencontrer plein de copinotes et de blogueuses et de youtubeuses. Et on va rencontrer Manuela du Poulet Blog parce que voilà, je l'adore. Et j'espère qu'elle sera là, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu cette invitation. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'ai hâte. Le One Man Show de Walter est uniquement réservé au public dans la salle, petit Vénard. Maintenant, bravo. Maintenant, on compte sur vous pour mettre une ambiance, comment dirais-je, époustouflante. Oh,
Je m'entendais très bien avec mes parents.
Non, j'étais pas tellement précoce, vous savez, j'ai tété ma mère jusqu'à 4 ans et mon père jusqu'à 14. Bien, voilà. Voilà, première blague de pédophilie après 40 secondes de spectacle, parce qu'on est dans les temps. Hein. En plus, on est directement dans les gros clichés sur la Belgique. Donc, on essaie de sortir un petit peu des clichés aujourd'hui, notamment sur les Belges, parce que vous savez, quand. C'est vrai, hein, je ne sais pas s'il y a des Belges dans la salle. Ou des... quand vous dites que vous êtes Belge en France, les gens vous disent assez rapidement « Oh, ben zut, on a fait dans la bière. » Ok, très bien. Moi, par exemple, je préfère le vin. Et j'adore le vin, j'adore ça, hein, comme monsieur, manifestement. Non, mais ça se voit, hein, il y a des signes qui ne trompent pas, j'ai pas d'autre explication à cette chemise. Ceci dit, attention, hein, chacun son plaisir, je trouve ça très bien, vraiment. D'ailleurs, c'est une soirée de plaisir aujourd'hui, une soirée d'esthétique, une soirée de bon goût. C'est très important, les plaisirs. Le seul truc, c'est de connaître ses limites. Je sais qu'on est dans le monde de la mode, il y a beaucoup de drogue. C'est très important de connaître ses limites. Parce que prenez le cannabis, par exemple. Bon, a priori, tout le monde se dit, voilà, un bon produit naturel qui pousse spontanément un peu partout, qui pousse particulièrement bien sur le fumier. Hein, c'est de la merde, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça du shit. Mais enfin, si on en fume trop, on perd la mémoire. Et c'est pour ça que j'emprunte régulièrement de l'argent à des fumeurs de cannabis. D'être là, merci, à l'année prochaine. Je vous aime, je vous embrasse et à très très vite. Bye bye, merci à vous!